Bon matin à toutes et tous, on se retrouve pour le message de ce jeudi 16 mars 2023. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Mets de la lumière dans ta vie, sois optimiste, lève-toi le matin et remercie pour la belle journée que tu vas passer. Aujourd'hui, j'ai pigé décision. Mes décisions ont un impact positif sur ma vie, mais aussi sur celle de tous les autres. Et maintenant, si je prends de mauvaises décisions, ça aura aussi un impact dans ma vie et sur celle des autres. Alors, quelle que soit la raison qui a provoqué, eh bien, cette angoisse de la mauvaise décision en toi, n'est-ce pas ? Voici le moment de te libérer à présent de cette mauvaise énergie paralysante à l'aide, eh bien, de cette belle fleur de vie. Peut-être que tu as pris de mauvaises décisions, tu as pris le mauvais chemin et ça te paralyse, ça t'angoisse. Eh bien, il est grand temps maintenant de t'en séparer de cette angoisse. Parce que bon, la décision que tu as prise, malheureusement, tu l'as prise, elle a été vécue, et puis voilà. Donc il faut rectifier, il faut essayer de rectifier la décision que tu as prise. Et maintenant, si tu n'as pas pris de décision, et que tu es angoissé par le fait que tu ne prends pas de décision, il est temps de prendre cette décision. En t'apprêtant à prendre des décisions, eh bien, c'est à ce moment-là que tu ouvres la porte, n'est-ce pas, à ta force vitale créatrice. Et la fleur de la décision éveille en toi cette certitude que tu seras toujours au moment favorable, à l'endroit opportun, et que tu agiras toujours de la manière la plus appropriée. Il est vrai qu'on fait quelquefois des mauvais choix dans la vie, mais nous avons encore notre libre arbitre, n'est-ce pas ? Et nous devons en tenir, ça doit nous servir de leçons, lorsqu'on prend une mauvaise décision, lorsqu'on fait des mauvais choix, eh bien, oui, voilà, on n'est encore que des êtres humains, hein. Toutes les décisions actuellement à l'ordre du jour dans ta vie, eh bien, vont être maintenant influencées en ta faveur par cette belle énergie positive de la fleur de vie. Tu te sentiras ainsi, eh bien, protégé, lucide et en sécurité. Donc, c'est vrai, il faut vraiment, il y a une décision que tu dois prendre. Et tu n'oses peut-être pas la prendre, mais après mûre réflexion, ta décision, ça sera la bonne et tu seras protégé de cette décision. Ça peut être une décision au point de vue professionnel, au point de vue sentimental, familial, hein. Tu sauras. À présent, que tu te trouves toujours, eh bien, au moment opportun, à l'endroit où tu dois être, et aussi que tu prendras les bonnes décisions. Tout se présentera à toi d'une manière absolument naturelle. Il y a quelque chose qui va faire que cette décision que tu vas prendre va être salutaire pour toi. Et c'est la bonne décision que tu vas prendre. On a l'impression que tu vas acquérir un nouveau discernement comme s'il y avait de nouvelles voies qui s'ouvrent à toi. Et c'est une lumière qui vient à toi. Et il te manquait ça pour prendre cette décision.
Ta vie va être remplie de joie. Elle va être remplie de légèreté, ainsi que d'une belle vivacité. Car cette fleur de vie, elle te plonge vraiment au plus profondément de toi pour prendre cette décision. Et tu vas prendre, pour certains d'entre vous, tu vas prendre des décisions qui sont difficiles, très difficiles à prendre. Mais tu vas les prendre en toute confiance. On a l'impression qu'il y a quelque chose qui est débloqué, il y a une lumière qui vient et qui éclaire. Et de nouvelles aventures vont t'appeler. Vraiment, ça va être cette décision que tu dois prendre va être salutaire. Et en plus, la fleur de vie conforte ta propension à décider. Et ce faisant, eh bien, elle renforce ta conception positive de la vie. La lucidité intérieure, la clairvoyance et l'authenticité, eh bien, elles vont de pair avec cette belle énergie optimiste. Et c'est ainsi que tu vas prendre toutes les décisions dans l'énergie de la joie et de la sécurité. Je dis encore une fois, c'est ce que je ressens, on a l'impression que le chemin est ouvert, qu'il y a quelque chose, un déclic qui va faire que tu vas prendre les bonnes décisions. Eh bien voilà, pour la fleur de vie, on termine maintenant avec l'oracle de couleurs, des couleurs, et j'ai parlé. Vert tendre, voilà, vert tendre. Mon esprit reste jeune et ouvert à la nouveauté. Eh bien voilà, lorsque tu auras pris les décisions, la nouveauté sera au rendez-vous. Je vous souhaite une excellente journée, puis on se retrouve demain pour un dernier message de cette semaine. D'ici là, portez-vous bien, je vous embrasse, à demain.